Alors, le Train Bleu, c'est vraiment un endroit emblématique de Paris, un endroit de qualité, un endroit prestigieux. Et à SNCF Gare et Connexion, on a vraiment envie de redonner les lettres de noblesse, en fait, à nos gares, à ces bâtiments merveilleux. Donc à la fois en les rénovant, mais aussi en les mettant dans le monde de la modernité, donc toujours en gardant l'âme, et puis en les mettant au goût des nouvelles technologies, des nouveaux usages, des nouveaux consommateurs d'aujourd'hui. Il y a un travail qu'on mène en fait dans l'ensemble de nos gares, où on redonne du service aux voyageurs ou aux non-voyageurs. Et dans la restauration, il y a à la fois la restauration assise où on prend le temps. C'est aussi de la restauration rapide, hein, puisqu'on va très vite de nos jours, mais de qualité, donc avec des grandes marques françaises et puis des grandes marques étrangères qui arrivent dans nos gares, leur premier point de chute même en France. Et puis c'est aussi la nouvelle restauration, comme les food trucks, où par exemple on va mettre sur le parvis des food trucks et puis on va partager avec l'ensemble du quartier. Donc redonner à la gare une notion de vraiment de lieu de vie, d'endroit où les gens se retrouvent. Dans le même esprit, on cherche vraiment à faire des petites bulles où les gens peuvent respirer un peu dans les gares. C'est l'exemple de ce qu'on a fait avec les pianos. Et puis après, il y a tous les services utiles, comme les objets trouvés. C'est aussi les toilettes, très modernes, très neufs. Voilà, donc redonner à des services de base, d'abord leur utilité et vraiment une facilité d'usage, et puis un usage moderne et plus connecté.